Tio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je dois faire top 1 uniquement avec les sacs de braquage. Vous savez, c'est les nouveaux sacs qui sont arrivés cette saison dans lesquels on peut trouver des roquettes bélier, du shield, des explosifs ou des armes. Donc j'ai le droit qu'à ça. Juste avant qu'on parte en game, pensez au petit code ZFAR, Z-E-T-F-A-R. On est parti. Alors je sais qu'il y a plein de sacs de braquage au niveau de Sanguine qui au passage est certainement mon spawn préféré de la saison. Donc je vais aller là-bas. Le seul problème de ce spawn, c'est qu'il y a 10 millions de personnes. Regardez ce planeur comment il est bien fait. Dans quelques secondes, mon bonhomme il va faire des tractions sur la barre. Alors... Ah ouais, mais lui, il spawn pas au bon endroit pour moi. Il me faut un sac de braquage, vite. Là, il y a un sac de braquage. Oh, je sais plus si les répulsifs, je les ai eu dans le sac de braquage ou pas. En vrai, je pense que oui. Bon, déjà, j'ai eu un pompe et du shield. Alors d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, le shield, c'est juste impossible que je le prenne uniquement dans les sacs de braquage, parce que de toute manière, je sais même pas s'il y en a. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un pistolet mitrailleur ou une AR. Ici. Ok, un autre fusil à pompe. Lance-grenade collante, c'est quoi ça? Ah bah je vais le garder. En vrai, pour l'instant, j'ai déjà un bon stuff. Il me manque juste une AR ou un pistolet mitrailleur. Mais le truc, c'est que je sais pas si je peux en avoir. Ah, ça se tape là-dedans. Oh, le gros relou. Merde, j'ai une mauvaise touche d'edit. J'ai fait un défi il y a pas longtemps, du coup j'ai pas changé ma touche depuis. Oh, je vais mourir. Je peux pas edit. Je suis foutu. Ma touche d'edit, vite. Non! Mais non, mais j'ai changé ma touche d'edit. Mais c'est pas vrai! Punaise, parce qu'en plus, ce qui m'énerve, c'est que je suis sûr que je les chitonne si jamais j'avais ma touche d'edit. Oh, c'est pas grave, je refais. Oh, punaise! N'empêche, quand on y pense, le battle bus, il est stylé, hein. Mais ce qui serait encore plus stylé, c'est s'il le faisait dynamique. Genre que tu pouvais vraiment voir dans le bus les 100 joueurs qui sont assis. Ça serait la fiesta à l'intérieur. Allez, les tractions, Ruby, pour la muscu. Alors, on a fait qu'une seule, c'est quoi ça? Ah non, deux! Allez, plus! 3, 3, 3. Voilà. Ok, l'objectif, il est simple, c'est survivre en partant. Oh oh, il m'a pas mis bien. Bon, j'ai eu un pistolet mitrailleur et un lance-grenade collante. Mon objectif, c'est de trouver d'autres. Genre ça, parfait. Ok, PM épique, c'est bien. C'est quoi ça? Grenade impulsion électromagnétique. Et il y a plein de nouveautés. Ça fait quoi ce truc? Ça désactive les appareils électroniques dans la zone. Eh, c'est marrant. Maintenant, faudrait que j'arrive à trouver les autres sacs. Voilà, voilà, voilà. Voilà, gros cassos. Et voilà, il est content. Lui, il a un fusil à pompe. Moi, j'ai pas. Non, mais pas de soucis. Wouhou! Allez, let's go. En vrai, ce défi est compliqué. Je pensais pas que j'allais autant galérer. Oh, j'ai le God Drop. Par contre, il y a toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée là. Ok, je connais Marota. Je connais Marota. Je connais Marota. Je vais là, là. Je prends ce sac. Parfait. Une cobra. Je suis content. Je cours. Je descends ici. J'ouvre ce sac. Pistolet mitrailleur. C'est déjà mieux. Ok, je continue. Maintenant, je monte là-haut. Parfait. Exactement ici. Là, ici, normalement, il y a deux sacs. Un là, encore un pistolet mitrailleur, et un là. Nickel, un pompe. C'est où qu'ils se battent, eux? Eh, mais attendez-moi! Un petit peu de soin. C'est bon, je l'ai eu. Oh, il m'a mis full mat! Il a dû avoir un lama, c'est sûr. Parfait, un sac ici. Let's go, un meilleur pompe, une grosse pote. Je vais essayer ça, c'est quoi? Ah ok, non j'ai pas compris. Allez, direction le coffre, c'est parti. En vrai, j'ai même pas besoin d'y aller dans le coffre, puisque de toute manière je pourrais pas prendre les armes. Oh, regardez-moi ce chenapan. Il a mis du C4 sur la porte. Ça veut dire qu'il se cache dans la salle ici. Il est dans le coffre-fort, regardez. Il attend que quelqu'un arrive, il veut faire exploser le C4, mais c'est un bot. Ah non, c'est pas un bot. Parfait, ça c'est fait, au lobby mec. Il avait caché du C4, c'est comme dans la vidéo que j'ai fait avec Semco. Pour ceux qui veulent la voir, elle s'affiche à l'écran maintenant. Je l'ai sorti sur ma chaîne principale il y a quelques jours. C'était hyper drôle. Ah, il a toujours pas pris l'arme. De toute façon, je peux pas les prendre. En vrai, une information que j'aimerais bien savoir, et peut-être que dans les commentaires vous la savez, est-ce que dans les sacs de braquage on peut avoir des armes de rareté épique ou légendaire? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir n'importe quelle arme? Par exemple, est-ce que je peux avoir un fusil à pompe légendaire? Parce que si c'est ça en vrai, c'est sûr cheaté. Hey, hey, tout, 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 pom, 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 pom. 1 million de likes sous la vidéo et je fais une vidéo dans laquelle je fais la même danse. Ah, je crois que ça va arriver sur moi. Viens si t'es un homme, je t'attends. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Bah viens, plutôt que de spam depuis ton toit, je t'attends. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Voilà. Merci. T'es content là? Oh oh, il va se cracher sur moi. Oui, il s'est craché sur l'autre. Oh oh, je crois que je suis sur un repère de taré.
Et il est chiant avec son pompe. Voilà, tiens. Putain, la honte. Je l'ai tué avec un pompe tactique bleu alors qu'ils ont des pompes exotiques. Y'a quelqu'un qui prend une faille depuis tout à l'heure. Ça doit être un bug. What? What? Y'a un poulet qui prend une faille depuis tout à l'heure. C'est quoi ce beans? Ah, par contre, là, c'est pas un poulet. A few moments later. One eternity later. On est plus que 5. Franchement, et cette émote, elle est sortie il y a plusieurs années déjà, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est exactement la même manette que moi. Regardez. Jaune avec les boutons noirs. Et même les gâchettes. Bon là, mes gâchettes sont jaunes, exceptionnellement pour cette manette. En fait, si cette émote était sortie aujourd'hui, je me serais dit limite Epic m'ont fait un clin d'œil. Même si, qu'on soit logique, je représente rien à l'échelle de Fortnite. Mais faut avouer quand même que la ressemblance est troublante. Allez, un peu de muscu et on fait le top 1. Ouf. Allez, toi, ciao ciao. Par contre, il y en a un, il me tire dessus depuis... Oh. Oui, il m'a fait mal. Mais ça va. Eh, hey, il est relou. Ah d'accord, je vois le genre. Je mets un bleuvage et je rota. Je vais le tuer. Voilà, c'est ce gros bot qui spam depuis tout à l'heure. Et voilà, c'est ça qui me harcèle. Un V1 final du coup pour le top 1 9 kills. Et ce sera un défi réussi. Ah, il est sérieux lui? Il est caché dans un bush comme ça là? Ok. Non mais je m'en fiche, fais le bandit. Tu dois avancer, pas moi. Et merci la PAC pour l'abonnement, n'hésitez pas à faire pareil. On rush les 400 000 abonnés. Eh, ceci dit, à force de le gratter comme ça, je vais lui faire mal. Ah, c'est un poussin. Oh, il est parti où le poussin là? Aïe. En fait, son pompe me fait assez mal. Pourquoi je peux pas build? Oh! Eh, il fait mal! Let's go! Ouh, j'ai eu trop peur qu'il me tue! Par contre, le pompe mythique, il est trop fort. Trop fort. Bref, c'est un défi réussi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à proposer plein d'autres idées de défis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!